Salut les connectés, c'est votre YouTuber CarPlay préféré. Ouais, parce qu'on en est quand même sur la chaîne à la 5e vidéo dédiée à CarPlay. Et je vais peut-être bientôt changer de sujet parce que je pense que là, on a fait le tour du propriétaire. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est en partenariat. Elle est en partenariat avec la marque Urvolax. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont me contacter pour me proposer de tester un écran CarPlay. Et moi, j'ai dit OK. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, et je vous invite à regarder ma vidéo vlog que j'ai fait il y a longtemps, j'ai acheté une Renault Zoe électrique qui n'est pas équipée d'écran. En attendant, moi, j'avais déjà commandé mon écran CarPlay sur AliExpress qui m'a coûté 50€. Et c'est intéressant parce qu'en fait, j'avais le CarPlay que j'utilisais déjà dans ma voiture depuis quelques semaines dont j'étais très satisfait. Et là, en fait, Urvolax m'a contacté pour me proposer de tester un écran CarPlay haut de gamme, puisque vendu 270€, qui s'annonçait prometteur. Et la véritable question, c'est est-ce que c'est un produit qui vaut le coup? Donc la première chose qu'on va faire, on va faire un déballage. Ensuite, je l'installe et je vais le tester un petit peu et bien sûr, je vais vous faire mes retours. Donc cet écran Urvolax, c'est un écran CarPlay qui fonctionne essentiellement sous Android. Donc en fait, c'est une tablette Android qui est capable d'afficher CarPlay, mais aussi, bien sûr, Android Auto, qui présente un écran de 10,1 pouces et qui est vendu en plus avec un système pour installer une caméra de recul. Petit disclaimer, j'ai pas installé la caméra de recul pour la simple et bonne raison que ça a demandé de démonter ma voiture et je suis pas mécano, c'est pas du tout mon délire, donc je l'ai pas fait. L'installation, elle est assez facile puisqu'en fait, l'écran, il est déjà monté sur un pied et dans la boîte, il y a tous les câbles qu'il faut. Donc, il y a le câble d'alimentation, c'est un câble allume-cigare vers USB-C. Vous avez deux autocollants qui vont permettre en fait de coller le pied de l'écran sur votre tableau de bord. C'est solide, ça respire la qualité. Donc, pourquoi pas? C'est vendu donc avec aussi un câble jack si vous voulez passer l'audio directement de votre tablette à votre autoradio. Et bien sûr, les câbles de raccord pour installer la caméra de recul si vous êtes mécano. Alors, on est dans la voiture. Pour info, j'ai déjà un écran CarPlay. Un écran CarPlay que j'ai acheté une 50€ sur AliExpress. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever et on va installer le nouvel écran. Là, ça me permet de voir, on vous voyez un peu, je pense, la couleur, ce genre de choses, mais on va faire le changement tout de suite. On va sortir l'écran. Ici même, qui a son système. Donc l'idée, c'est de le poser de manière à ce qu'il soit le plus proche. Donc en gros, il faudrait qu'il soit par ici. L'écran est très petit par rapport à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est 10 pouces, mais en fait, il est très écrasé. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce petit pad qu'on va coller dessous. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de le positionner comme ceci. Sachant que l'alimentation sera à droite. Pour la conduite, ok. Allez, donc c'est ici. Allez, c'est parti. On colle. On va positionner. L'alimentation qui est via allume-cigare vers USB-C. Donc, hop là, la cigare est branchée. Alors, vous voyez pas grand chose, mais c'est pas grave. C'est moi que je puisse l'allumer. Allez, donc l'Urvolax s'allume. Donc là, j'ai allumé la voiture, j'ai du jus. Je vais avoir un peu de clim parce que c'est chaud. Alors, voilà, le petit défaut déjà, c'est que l'emplacement n'est pas hyper pratique. Il faudrait que je baisse un peu mon volant. Tac. Faut que je retrouve la manette. Voilà. Alors, donc,
Est-ce qu'il est fluide? Ça, c'est fluide. On va faire la berge CarPlay. Donc CarPlay, donc il faut connecter mon iPhone au Bluetooth. Alors, iPhone au Bluetooth, donc tac. On va chercher donc le EC30 là, voilà. On va jumeler. On va connecter. Alors, il y a déjà un truc qui me chiffonne, c'est ça. En fait, je le veux pas. Ok. Est-ce que je peux le virer? Ça, ça m'énerve. Ok. Alors, à l'écran. Ok. Je vais voir si je peux l'appairer. Un. La voiture en Bluetooth. Alors, on va regarder le manuel parce qu'on passera point pour les cons. J'installe pas la caméra parce que c'est trop casse-couille. En fait, c'est un truc Android, donc techniquement, on peut installer Netflix, on peut installer, par exemple, si j'appuie là sur Netflix. Ah, mais il faut se connecter à Internet. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Alors, option 1, moi je veux l'option sans fil. Clique sur Audio Out. Ah, Audio Out. C'était juste là. Donc, il faut choisir Bluetooth Audio. Ok. Donc a priori, là je suis sur le CarPlay. J'ai écouté Silence on joue. Est-ce que ça va fonctionner? Ben, ça fonctionne pas. C'est un problème. On va faire une tentative, désolé pour le son. En fait, je sais pas si vous voyez bien depuis tout à l'heure, mais je suis très mitigé. Déjà, il se reconnecte pas. C'est un peu chiant. Alors,
Je suis bien connecté, hein. Ah oui, les histoires de software, de mise à jour. Attendez, on va rouler un peu. Bon, déjà, côté positif, c'est que l'écran gêne pas la visibilité, c'est petit, c'est pas mal. Mais bah déjà, il se reconnecte pas. Ça, c'est problématique en fait, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Je sais pas pour où je vais aller. Je roule un peu. Est-ce que si je fais se déconnecter et se reconnecter? Hop, on va annuler CarPlay, on va remettre CarPlay. Voilà. Bon, là, on va mettre plan. Voilà. Bon. Ça va, c'est pas désagréable en termes de vue. L'écran est plutôt lumineux. Malgré tout. En fait, il y a une problématique dans cette histoire, c'est qu'on est sur un produit qui coûte 270 €. Voilà. Et que même si le format est sympa et est petit, j'ai un doute sur la valeur. Parce que déjà, avoir Netflix et YouTube dans sa voiture, je pense pas qu'on en ait besoin. En tout cas, oh merde, c'était pas. C'est pas. Je pense pas qu'on en ait besoin. Après, c'est fluide, hein. Moi, ce qui m'énerve, c'est ce bouton à la con, là. Parce que je ne vois que ça. Ouais, on fait encore un petit tour de manège. Après, c'est tout petit, quoi. C'est. Ouais, non, je suis pas convaincu. Désolé, la caméra, c'est la bouche. Mais au moins, voilà, vous voyez. Là, je suis en Bluetooth. Bon, je mets le son. Ai-je besoin d'en dire plus? Patrick Hélio! Bon, le côté positif, c'est que c'est un truc qui s'upgrade parce qu'en fait, dans le kit, vous avez ça, plus vous avez une installation pour la caméra de recul. C'est cool, ça permet vraiment d'améliorer la connectivité entre guillemets de votre voiture. Le problème, c'est que est-ce que vous en avez vraiment besoin? C'est la grande question que je me pose. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est très petit à l'écran. Je sais pas si vous voyez, mais sur le côté là, sur les boutons, ils sont pas très accessibles en fait, parce qu'ils sont tout petits. Déjà, comment en plus je suis un peu loin du truc, ça me gêne. Alors certes, c'est cool parce que ça me gêne pas la visibilité. J'ai tout le pare-brise qui est dégagé. Mais en fait, moi, j'ai besoin quand même d'un truc qui soit aussi facile à utiliser. Et la navigation est compliquée, quoi. Le problème, autant que aussi le support est trop près. Et ça, c'est un problème que je retrouve dans tous les supports. C'est que le support n'est pas flottant, en fait. Ne permet pas à l'appareil de flotter. Sauf qu'en fait, c'est ce qui serait idéal. Parce que ça permet de se retrouver dans une situation où, en fait, le truc est vraiment à portée de main. Il flotte au-dessus. Donc, on n'a pas besoin de tendre le bras pour toucher. Parce que là, il faut que je. Voilà. C'est pas confortable. Et voilà, mais sinon, oui, ça réagit vite, c'est plutôt lumineux. En fait, c'est une sorte de tablette Android, quoi. C'est une tablette Android avec CarPlay, Android Auto, mais vous pouvez installer des applications. La question, c'est que vous avez besoin d'un appareil pour avoir CarPlay. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir Netflix, d'avoir YouTube dessus? Parce qu'en fait, ça mérite d'être posé comme question. Parce que l'idée, c'est vous voulez conduire ou vous voulez regarder la télé?
Si vous la regardez à la télé, vous ne conduisez pas, en fait. Donc voilà, donc, je suis mitigé, je vais tester un peu, hein, mais donc voilà. Bon, cet écran, je l'ai installé, et il y a le temps de vous donner mes ressentis. Alors première chose, c'est un écran de très bonne qualité. L'installation, comme je l'ai dit, elle est très facile. L'écran est de bonne qualité, il y a une très bonne définition, c'est sympa. Par contre, j'ai un petit problème avec le format. On est sur une dalle qui annonce 10,1 pouces, et en comparaison, ben moi, l'autre écran que j'ai, c'est un écran de 9 pouces. Donc techniquement, la dalle de l'Urvolax est plus grande. Malheureusement, ce côté étiré fait que je trouve l'utilisation sur CarPlay, elle est moins bonne. Pourquoi ? Parce que tout est plus petit. Le problème, c'est que les icônes sont petites, surtout pour les raccourcis sur le côté, puisque en fait, sur CarPlay, lorsque vous voulez naviguer sur les trois dernières applications que vous avez utilisées, vous avez une touche de raccourci qui vous permet de naviguer à la volée. Mais là, les touches sont très petites, donc le problème, c'est que c'est compliqué à les atteindre quand on conduit. Or, CarPlay, c'est pas fait pour jouer, c'est pas fait pour se concentrer, c'est fait pour avoir une voiture avec de l'infotainment, comme on dit, mais surtout dans une certaine sécurité. Et je trouve qu'on ne retrouve pas cette sécurité à ce niveau-là. Par contre, la tablette, elle est plutôt fluide, elle fonctionne bien. Je vois très peu de différence de latence entre les deux produits que j'ai. Voilà. Peut-être que la Urvolax est plus rapide, mais on n'est pas sur quelque chose de totalement flagrant. On est quand même sur un produit Android. Je m'attendais à quelque chose quand même de très réactif. On n'est pas sur la même expérience que si c'était quelque chose de natif. Mais ça s'utilise. Les paramètres sont nombreux, on peut la configurer en français, on peut régler à peu près tout. Et cette tablette, quand même, elle est généreuse, puisque vous avez donc cette tablette, vous avez offert le kit pour installer la caméra de recul, ce qui fait que si vous n'avez même pas de radar de recul pour une voiture, c'est le cas sur ma Zoé, c'est intéressant parce qu'on passe un gap dans l'équipement de la voiture. Bon, ça implique quand même d'être mécano et ça, c'est pas mon truc. Par contre, il y a des soucis. Alors, je vais être cash et je suis désolé, Urvolax, mais cet écran CarPlay, il a plus de points négatifs que de points positifs. Et c'est problématique parce que quand même, c'est un produit à 270 €. L'autre écran que je préfère, que je trouve plus fonctionnel, m'a coûté 50 € sur AliExpress. Déjà, comme je vous l'ai dit, l'écran est très petit. La navigation n'est pas simple. Et en plus, on n'est pas sur le produit le plus réactif possible. Donc déjà, ça, c'est un petit problème. Pour moi, c'est un gros écueil parce que installer un écran CarPlay, ça doit être quelque chose qui vous simplifie la vie. C'est que ça ne se connecte pas automatiquement à CarPlay. À chaque démarrage de ma voiture, lorsque je lance CarPlay, il me demande de me connecter. Ce qui veut dire que je suis obligé de sortir l'iPhone, d'aller dans les réglages du Bluetooth, de connecter manuellement au Bluetooth, et c'est pas normal. Sur un produit qui vaut 270 €, c'est problématique. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande en premier lieu, c'est d'être CarPlay. C'est de nous proposer qu'on démarre la voiture. Le téléphone, qui est connecté en plus en mode sans fil, se connecte automatiquement et on n'est pas besoin en fait, de brancher ou on n'est pas besoin d'aller chercher dans les réglages Bluetooth. Et ça, pour moi, c'est un gros problème parce qu'en fait, la promesse sur un produit qui est quand même considéré haut de gamme, elle n'est pas là en fait. Et j'ai cherché, je me suis battu dans les menus, c'est pas clair et c'est problématique aussi à ce niveau-là. Après, la tablette, elle propose plein de choses. Comme c'est une tablette Android, vous pouvez installer des applications. Et moi, j'ai fait des tests. J'ai testé d'avoir Netflix sur la tablette. Ça fonctionne. Donc, c'est sympa. Par contre, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'écran, il n'a pas de traitement anti-reflet. Donc, en fait, déjà, qui regarde Netflix dans sa voiture ? Déjà, c'est un gros sujet. On va plutôt préférer regarder dans une condition correcte, mais même si, par exemple, je suis en train de recharger ma Zoé et que je regardais Netflix, en fait, l'écran est tellement mal calibré, il n'y a pas de traitement anti-reflet qu'en fait, on ne voit rien. Et en plus, les haut-parleurs sont dégueulasses, donc ce qui veut dire qu'on est obligé d'allumer la voiture, donc bouffer de l'essence ou bouffer de la batterie pour pouvoir avoir le son. En fait, c'est du gadget et c'est cool, mais ça n'apporte pas grand-chose et l'expérience, elle n'est pas parfaite. Entre regarder un contenu vidéo ou des vidéos sur YouTube sur l'écran de la Urvolax
et sur mon smartphone, je vais choisir le smartphone. Je suis vraiment très triste parce que c'est un produit qui avait du potentiel. La dalle est intéressante, elle est, il y a vraiment la finition est bonne. Il y a, voilà, c'est, il y a du piqué sur l'image, mais c'est pas un produit que je vais vous recommander parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'est pas de vous faire acheter des produits à 270€ et toucher une commission et m'en mettre plein les fouilles. Mon objectif, c'est vous de conseiller des produits qui vont pas vous ruiner et qui vont apporter ce que vous souhaitez. On s'en fout d'avoir YouTube, on s'en fout d'avoir Netflix dans la voiture. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir CarPlay. Et CarPlay qui fonctionne automatiquement. Et c'est fou qu'une tablette à 50€, une seule fois je me suis connecté à CarPlay, c'était terminé. À chaque fois je monte dans ma voiture, mon téléphone il est déjà logué dedans. Là, on voit là que c'était pas le cas. Et ça, c'est pas bon. On n'est pas sur quelque chose d'intéressant et je pense que le format en plus est pas adapté, c'est trop petit. Si on veut vraiment un écran, il faut quelque chose où la navigation soit la plus naturelle possible. Et sachant que sur un tableau de bord, en plus, on doit aller chercher l'écran pour toucher les icônes, non, il vaut mieux opter sur quelque chose d'un peu plus traditionnel, un peu plus sur format carré, rectangle, pour quelque chose qui va être format tablette, entre guillemets, pour quelque chose qui va être plus naturel à l'utilisation. On conduit, on a des doigts qui ne sont pas très focus sur l'écran, autant rapidement accéder au menu. Je suis désolé, hein, mon Urvolax, mais vous m'avez contacté et moi je suis comme ça, je suis carré sur ce que je propose. Je ne le conseille pas à ce produit. Achetez des produits pas chers sur AliExpress. Donc je peux mettre en référence le Podofol et la vidéo, le Grand Navi que j'ai acheté et si je trouve la version Urvolax sur AliExpress, je vous mettrai aussi. Voilà. C'est, voilà. Je pense que ça va être la dernière vidéo sur CarPlay parce qu'en fait j'en ai un peu marre de parler de ce sujet, même si je sais que ça fait des vues, mais moi ça m'intéresse. Pas spécialement. Merci quand même Urvolax de m'avoir fait confiance pour ce test. Je vous remercie, vous, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir comme nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker le classique. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. Ciao !